pleine désormais de supériorité pour les rapaces de Gapai. Correa qui s'approche de la cage. C'est passé à côté grâce à la botte de Blazek. Oh, le tir de Tillé! Et le one-timer de Dimitri Tillé qui fait mouche une nouvelle fois, comme il avait pu déjà le but qu'il avait marqué à René Froger était un but en supériorité numérique. Et là, le numéro 47 qui fait mouche en supériorité numérique et ouvre ainsi le score pour les rapaces de Gap dans cette rencontre de 16e de finale de Coupe de France. Et on a vu sur l'action une première offensive qui a été amenée par Julien Correa. Et le palais qui est revenu sur Dimitri Tillé, qui avait une parfaite ouverture. Oh, il est bon ce but! Et il est bon ce but, cette réponse immédiate amenée par Richardson. Et à la finition, c'est Cal Campbell. La réponse immédiate des Diables Rouges là, qui reviennent dans cette rencontre. C'est Richardson, le premier à la manœuvre, qui vient réussir à trouver Campbell, qui était en attente devant la cage de Jimmy Darrier et qui remet les Mekiewicz. Ah, il fallait y aller, Mekiewicz. Ah, il a fait une preuve d'altruisme là, Mekiewicz. Il a voulu remettre sur Correa qui n'a pas réussi à récupérer ce palais. Je pense qu'il ne s'attendait pas à récupérer ce palais, Julien Correa. C'est pas terminé cependant parce que les rapaces de Gap sont toujours en place. Et cette fois-ci, ça fonctionne pour Julien Correa sur cette deuxième tentative. Ce palais servi par Raphaël Faure. Et Julien Correa, numéro 77, qui vient tranquillement, vient mettre le palais au fond des filets de Jiří Blazek, Jiří Blazek qui malheureusement là était plus du bon côté là. Et donc ça fait 2-1 en faveur des rapaces de Gap. Julien Correa à la finition. Robertson, Arnaud Faure qui va chercher une solution pour redresser. Il laisse derrière lui sur Gutiérrez qui va distribuer. Ouais, du revers. Et c'est dedans. Arthur Mikiewicz qui récupère le rebond laissé par Jiří Blazek. Le portier tchèque ne pouvait pas faire cet arrêt trois fois d'affilée. Abandonné par sa défense. Et ça fait 3-1 pour les rapaces de Gap. Le troisième point à la faveur d'Arthur Mekiewicz qui, après deux assistances, vient s'octroyer un but. Le troisième pour les rapaces de Gap, le deuxième but de ce deuxième tiers. Et donc qui, avec 3 points pris, devient forcément le top scoreur de cette équipe des rapaces de Gap avec 3 points, puisque je voulais rappeler, amorcé par les Diables. Avec Klimicek qui envoie côté droit. Richardson qui est obligé d'envoyer au fond. Mais c'est Darrier le premier sur la rondelle. Le palais qui va ressortir de la zone. Il est ressorti ce palais. Voilà, avec Vondracek et Tillé en contre-attaque en infériorité. Tillé qui s'avance, qui se met dans l'axe. Tillé! À le festival de Dimitri Tillé en infériorité numérique. Qui s'offre un doublé. Une fois en supériorité, une fois en infériorité. Le Don Diego de l'Alpa Arena qui fait mal. Et il fait mal ce but pour les Diables Rouges. Et donc Roman Vondracek, numéro 5, qui va très logiquement prendre une assistance. Et tout championnat confondu, c'est la deuxième assistance de la saison pour Roman Vondracek. Il fait une très grosse présence ce soir. Alors, en tout cas, voilà, pas d'incidence. Les gars pensaient qu'ils finalement sont rentrés dans leur zone offensive. Il reste 5 secondes à la double supériorité numérique avant de voir le premier Briançonnet revenir sur la glace. Et Tillé pour Correa. C'est passé sur le petit fil extérieur. Mekiewicz qui a pris un shoot. Allez, 5 contre 4 désormais. Et le triplé. Le tour du chapeau de Dimitri Tillé qui, une nouvelle fois dans l'unité spéciale, fait mouche. Troisième but pour le numéro 47, le deuxième en supériorité numérique.
et le troisième en unité spéciale puisqu'il avait marqué un but, je vous le rappelle, en infériorité numérique. Les Rapaces de Gap qui évoluaient encore à 5 contre 4. Les deux équipes sont désormais donc à égalité numérique pour encore 2 minutes 10 à faire dans ce deuxième tiers. 5 buts à 1 en faveur des Rapaces de Gap. Nous sommes au score du match joué à René Froger ce dimanche. Ah, une nouvelle fois, c'était bien vu ça. Ça pendait au nez là, des Rapaces depuis tout à l'heure. Et ce palais qui va finir au fond de la cage de Jimmy Darrier par le capitaine. Et le meilleur buteur de cette équipe des Diables Rouges, le numéro 24, Mathieu André. Pour le 5 à 2. Allez, dernière seconde, c'est terminé. Victoire des Rapaces de Gap dans cette Alp Arena pleine face aux Diables Rouges de Briançon. Les Rapaces de Gap qui vont donc goûter aux huitièmes de finale de la Coupe de France. Des huitièmes de finale qui seront, bien entendu, hein, vous le savez désormais, pas besoin de vous le rappeler, tirés au sort par la Fédération. Alors, il faudra...